Salut à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière en fait. Ça va être une sorte de vidéo un petit peu blabla et notamment remerciement puisqu'on a dépassé la barre des 6000 abonnés cette semaine en fait. Et du coup je me suis dit que pour vous remercier j'allais simplement faire une petite vidéo toute simple, toute naturelle, vraiment à mon image parce que j'avais pas envie de faire trop de chichi mais simplement vous remercier avec mes mots. Je sais pas trop ce que cette vidéo va donner. Mais voilà, c'est vraiment ce dont j'avais besoin de vous faire part aujourd'hui. Donc j'ai commencé ma chaîne il y a un an, puisque je l'ai commencé en décembre 2012. Je crois même que c'était le 4 décembre 2012, si j'ai une bonne mémoire. Et donc en un an, j'ai eu 6000 abonnés. Donc pour certaines, ça peut paraître hyper, vraiment un nombre ridicule par rapport aux nanas qui en ont 50 000, 100 000. Mais très honnêtement, pour moi, le chiffre importe peu. Je vous dis ça vraiment très sincèrement. C'est pas pour donner une bonne image, etc. Vraiment, je préfère vous avoir, vous, avoir 6000 abonnés et discuter avec quelques-unes d'entre vous, mais avoir vraiment des vrais échanges, pouvoir toujours vous répondre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Et garder ce lien-là que je crée avec vous et que l'on crée ensemble, plutôt que de me sentir totalement dépassée, de ne plus pouvoir vous répondre, parce que si vraiment un jour ça devrait arriver, que je serais dépassée par les événements, que je n'aurais plus le temps, et que je trouverais plus le temps pour vous répondre sous mes vidéos ou sous des photos, etc. Franchement, je pense que ça serait vraiment une belle, enfin une déception pour moi, et j'en serais vraiment mécontente. Donc voilà, rien que pour ça, je voulais vous dire un énorme merci d'être présente là, aussi souvent, de commenter aussi souvent, de me faire autant de compliments que ça. Je vous assure que c'est vraiment toujours mon petit bonheur du jour de vous lire et de vous voir les jolies choses que vous dites à mon sujet. Donc bien évidemment, il y a toujours le petit côté négatif sur YouTube, les gens méchants, remplis de haine, etc. Mais très honnêtement, je m'en contrefiche à un point, vous n'imaginez même pas, ça me passe vraiment au-dessus de la tête. Il y a des choses bien plus graves dans la vie, donc je prends vraiment que le positif que cette aventure YouTube me procure. Et voilà, c'est vraiment une jolie expérience. Si vous hésitez encore à vous lancer, si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites-le. Si vous hésitez, honnêtement, n'hésitez plus, c'est vraiment... vous allez vivre vraiment des jolis moments, et si vous avez la chance de rencontrer des belles personnes, et ben voilà, elles feront que cette aventure sera davantage plus belle. Et c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner, lancez-vous, parce que c'est vraiment génial. Quand je vois, voilà, il y a un an, je me suis dit, je fais ma chaîne, si ça marche, bah c'est génial, et si ça marche pas, bah au pire, tant pis. Et là, en l'occurrence, j'ai eu la chance que ça a fonctionné. Quelques-unes d'entre vous ont accroché à ma personnalité, à mes vidéos, et je trouve ça vraiment génial. Certes, ça reste du virtuel, ça reste, c'est pas dans la réalité, dans la vraie vie pour moi, mais ça n'empêche que j'ai vraiment rencontré de jolies personnes. Donc voilà, rien que pour ça, je voulais vous dire 6000 merci, 6000 bisous. Si je pouvais toutes vous avoir là devant moi, ça serait vraiment génial. J'adorerais. Donc d'ailleurs, pour cette année, j'ai comme projet de faire une rencontre, enfin avec si plusieurs youtubeuses, ou j'ai également des copines sur Instagram qui voudraient faire ça. Ça serait vraiment génial, voilà, je ne sais pas encore où, je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore comment. Mais vraiment cette année, j'aimerais vraiment beaucoup vous rencontrer. Ça serait un grand moment de plaisir et de joie pour moi. Donc je ne sais pas si ce serait dans le nord de la France, enfin je ne sais absolument pas, dans le nord-est. De toute façon, si ça se fait, ce projet se concrétise, je vous tiendrai au courant bien évidemment. Mais n'hésitez pas à me dire si vous serez tenté de participer à cette petite rencontre. Parce que pour moi, ça serait vraiment génial. Donc voilà, en plus de ça, j'ai posté ma 100e vidéo. C'était mon maquillage de fête d'ailleurs pour cette année. Et je vous en remercie, vous avez été très nombreuses à me complimenter sur mon maquillage. Parce que moi, je suis pas du tout une pro là-dedans. Voilà, je débute encore. Donc voilà, vous avez été vraiment très très gentils par rapport à cette vidéo. Donc je vous en remercie. Et donc c'était déjà ma 100e vidéo. Je fais 2 vidéos par semaine la plupart du temps, sauf vraiment cas extrême. Donc voilà, j'arrive déjà à 100 vidéos en un an, donc c'est vraiment énorme, et j'espère avoir la chance de pouvoir continuer à faire encore 100 vidéos cette année, parce que pour moi, voilà, c'est vraiment un moment de bonheur, et je vous assure que vraiment, YouTube, ça devient vraiment indispensable. C'est bête à dire, parce que voilà, avant je vivais très bien sans, mais maintenant voilà, je pense toujours, ah bah tiens, je pourrais montrer ça aux filles, ça c'est un bon plan qui pourrait peut-être les intéresser, voilà, une jolie découverte, il faut que je leur montre, etc. Voilà, je pense vraiment souvent à vous, et c'est vraiment top de vivre tout ça à vos côtés. Donc voilà, je vous en remercie encore 1000 fois. Je sais que ça peut être vraiment barbant pour vous et saoulant, mais voilà, je voulais vraiment vous dire un grand merci, un merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi et pour toutes les choses que vous m'apportez. C'est vraiment une belle aventure. Donc voilà,
Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi je ne sais plus. Oui, avec les fêtes qui approchent, puisque Noël c'est ce soir, je suis trop excitée. Je voulais savoir si ça vous intéressait que dans les jours qui arrivent après Noël, évidemment, notamment peut-être pour ma vidéo de vendredi si j'arrive à la faire, de vous montrer en fait mes cadeaux de Noël, les petites choses que j'ai eues, si ça peut vous intéresser, voilà, je vous tournerai ça. Et ensuite, je vous ferai la semaine d'après ma vidéo solde, puisque comme j'habite en Lorraine et plus précisément en Moselle, les soldes commencent le 2 janvier. Donc je suis encore une fois trop contente, je vais pouvoir aller en avant-première dans les magasins. Donc voilà, si ça peut, par exemple notamment chez Sephora, si vous voulez avoir une idée de ce qu'il y a, pourquoi pas vous tourner cette vidéo rapidement dès que j'aurai fait les soldes. Donc voilà, étant donné qu'on est un petit peu des privilégiés en Lorraine, en même temps j'ai envie de dire... Heureusement, parce que sinon entre le temps et les températures on n'est pas vraiment sauvés. Donc heureusement qu'on a les soldes avant tout le monde, c'est quand même un bon point positif. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vidéo cadeau de Noël et vidéo soldes, je vous ferai ça avec grand plaisir. Et puis après aussi, tant qu'on est dans la vidéo information, je précise aussi que après les soldes, du coup il n'y aura pas beaucoup de vidéos dans les une voire deux semaines qui arrivent, puisque je vais être en période d'examen pour mes cours et que clairement c'est plus important, je pense que vous comprendrez, c'est vraiment essentiel et il faut que je réussisse et que j'ai du temps pour réviser et pour faire mes examens. Donc voilà, je serai pas trop présente sur YouTube mais je resterai active sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci pour ça. Mais voilà, je pense que encore une fois vous me comprendrez, c'est quand même assez important pour moi. Donc voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit, il me reste juste à vous souhaiter de très 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 joyeuses fêtes, passez vraiment de bons moments avec vos proches, votre famille, vos amis, éclatez-vous, déballez vos cadeaux, moi c'est vraiment voilà, un moment que j'adore de voir le visage de mes proches lorsqu'ils ouvrent les cadeaux que je leur ai choisi, c'est vraiment que du bonheur pour moi. Donc voilà, mangez bien surtout, régalez-vous, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous embrasse encore très fort et je vous fais un très très gros bisou, bye.